John Stockton, vous venez de voir sur le banc de touche. Stockton qui s'est blessé hier, ça va être le gros point faible de l'équipe des États-Unis, Georges, parce que contre Panama, ça devrait se passer a priori comme contre Cuba et contre le Canada, c'est-à-dire que vous allez vous régaler en smash, en contre, en tir à 3 points. Mais avalanche de blessures du côté américain, et dans l'optique des Jeux de Barcelone, ça c'est plutôt embêtant. Larry Bird s'est échauffé, il devrait jouer, et Stockton, c'est plus grave. Voilà, donc John Stockton avec une petite fracture au fibula, le petit os à côté du tibia. Mais il y a beaucoup de douleur. Dans 2-3 semaines, John Stockton devrait pouvoir rejoindre l'équipe. Il faut de toute manière que l'effectif soit tout à fait fixé pour le 15. Donc ça laisse encore 1 ou 2 semaines pour décider si John Stockton peut participer aux Jeux Olympiques. John Stockton veut bien sûr rester dans l'effectif. On va voir justement que la blessure de Stockton, comment ça s'est passé hier très exactement avec Jordan. Stockton qui disait après le match ne pas savoir réellement ce qui s'était passé. Maintenant, c'est très clair. Oui, un choc avec le genou de Jordan, 1 minute après son entrée en jeu. Donc, le genre d'action qui arrive 100 fois dans une saison, disait John Stockton tout à l'heure à la petite conférence de presse. Donc, une fracture au fibula droite sans déplacement. Ni besoin de plâtre, ni besoin de béquille. Et donc, John Stockton peut jouer sans danger, mais il va falloir supporter la douleur. John Stockton a assuré tout à l'heure, il va tout faire avec l'accord de son club, les Jazz de Utah, d'être présent à Barcelone. Vous l'avez vu tout à l'heure, John Stockton sur le banc américain. Ici, vous découvrez le banc panaméen. L'équipe du Panama qui a surpris quand même en battant Cuba de 19 points. Oui, après le match face aux États-Unis, le Cuba a été très très fatigué. Eddie Chavez, le meneur de jeu de cette équipe, très adroit à 3 points. Équipe très expérimentée, Chavez 35 ans, Grenard 34, Myers 27 ans, le plus jeune Leroy Jackson 23 ans, et il a joué à Oregon State, l'université près de Portland. Mario Galvez a 30 ans. Rolando Frazier, 34. Et l'autre genou, Carlos Roxhead, 23 ans. Un très bon marqueur pour l'équipe de Panama. Et voilà la surprise, Stuart Gray, ancien joueur des Trailblazers de Portland, le pivot de Panama. Et Mario Butler, le numéro 15, ailier rebondeur, 34 ans. Les coachs américains avec John Stockton, regardez, juste au centre, sur le banc, qui a tenu à se mettre en survêtement quand même. Oui, Michael Jordan qui rigole à droite de votre écran, a donné ses excuses à John Stockton. John Stockton a dit, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans un match de ce niveau-là. Comme tous les jours, standing ovation pour la Dream Team. Le public du Coliseum qui est à nouveau plein ce soir, debout pour applaudir Christian Leitner. Suivi par David Robinson. David Robinson a très bien joué hier, de mieux en mieux. Patrick Ewing qui lui a fait son entrée hier, il n'avait pas joué le premier match contre Cuba à cause d'une blessure également au pouce. Larry Bird réclamé par le public de Portland hier qui a scandé son nom. Il n'a pas joué, c'était vraiment impossible en raison de son dos, il devrait jouer aujourd'hui. Scottie Pippen. Michael Jordan. Seulement 6 points dans le premier match, 14 points hier. Assez effacé. Et comme d'habitude, les applaudissements qui redoublent pour Clyde Drexler, qui en est presque gêné. Il se fait charrier d'ailleurs par l'équipe des États-Unis à cause de cette popularité. Oui, il se décrit comme l'innocent de l'équipe. On aime bien chambrer dans cette équipe américaine. Il est souvent la cible. Karl Malone. John Stockton.
qui boite un peu, même s'il arrive quand même à marcher avec cette petite fracture. Très, très applaudi également Stockton. Il ne faut pas oublier qu'en 84, John Stockton a fait les sélections pour l'équipe américaine. Il n'a pas été retenu par Bobby Knight. Bobby Knight a préféré le meneur de jeu d'Indiana à son équipe, Steve Alford à l'époque. C'est pour cela que John Stockton tient vraiment à être au rendez-vous de Barcelone. Chris Mullin, puis Charles Barkley. Deux fois de suite, meilleur marqueur de l'équipe des États-Unis, à la fois contre Cuba et contre le Canada. Et Magic Johnson. Magic nous a dit hier, j'ai prouvé à tout le monde que je tenais encore la grande forme, que je pouvais jouer au plus haut niveau. Et voilà, les deux joueurs connaissent bien. C'est Mario Butler avec Charles Barkley. Butler avait fait un essai avec les 76ers de Philadelphia, l'ancienne équipe du BBTGV. Mais il n'a pas été retenu. Comme Stuart Gray qui a fait quelques clubs en NBA, mais qui n'a jamais vraiment eu une place de titulaire. Début du match dans 3 minutes maintenant. On peut peut-être en profiter, Georges, pour faire un point sur ce tournoi pré-olympique. Encore une fois, bon, vous connaissez la formule maintenant. 10 équipes sont présentes, 2 poules de 5 et on retrouvera 4 équipes à Barcelone. Alors la poule A d'abord. Oui, on va rappeler quand même que l'équipe qui termine première de chaque poule est qualifiée d'office pour Barcelone. Ensuite, on fait des matchs croisés, deuxième face au troisième, deuxième face au troisième. Et donc, cela veut dire que les quarts de finale, ces matchs-là, sont qualificatif pour les Jeux de Barcelone. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans le carré des As, en quelque sorte. Quart de finale qu'on suivra sur Canal+, jeudi soir. On en verra un match et on verra les deux demi-finales, en revanche, en direct sur Canal+, vendredi soir. Soyez à l'écoute, encore une fois, dans la nuit de vendredi à samedi. La poule A, Georges. Alors, non. L'éternel photo de famille, encore un beau souvenir pour les joueurs qui vont affronter la Dream Team de Chuck Daly et Michael Jordan. Alors, on sait déjà, par exemple, que la poule B, il y a l'équipe de Brésil, invaincue jusque-là, qui va terminer obligatoirement à la première place. Donc, Brésil en demi-finale d'office. Ensuite, le Puerto Rico va terminer deuxième, cela est sûr également. Mais pour la troisième place, qualificatif pour les quarts de finale, c'est entre le Venezuela et Mexico dans la poule B. Alors, pour la poule qui nous concerne aujourd'hui avec le match entre les États-Unis et Panama, bien sûr, tout le monde peut penser que les États-Unis vont être premiers de la poule et donc qualifiés directement pour Barcelone. Mais ensuite, ce n'est pas aussi simple. Avec l'Argentine, même le Panama, pourquoi pas, Canada et Cuba qui vont s'arracher dans 4 équipes pour 2 places. Donc, c'est vraiment pas évident. Les deux dernières journées seront décisives pour cette poule A. Et juste après ce match, un match ô combien important justement entre Cuba et Argentine. On vous donnera évidemment le résultat demain. On vous tiendra au courant de tous ces classements. Alors, les deux résultats d'aujourd'hui, toujours dans la poule B, l'autre poule, dans le match opposant Puerto Rico et Venezuela, le Puerto Rico a gagné 91-80. Et dans le match opposant Mexico à l'Uruguay, victoire de Mexico 98-89. Donc c'est pour cela qu'en fait on est plus avancé en ce qui concerne la poule B que la poule A. Retour à ce match Panama-États-Unis. Et bien voilà tout ce qu'on vient de vous raconter. On a vu un match formidable d'ailleurs hier soir, Georges, entre le Brésil et le Mexique, et Oscar Schmidt toujours présent. Le poids, l'âge n'a pas de poids sur lui. Honnêtement, c'était le match le plus passionnant, le plus spectaculaire que nous avons vu dans ce tournoi, car les deux équipes pratiquent un jeu d'attaque très très rapide, avec des tirs de loin à gogo, pas beaucoup de défense, mais on ne s'en plaint pas, pas beaucoup de fautes non plus, donc c'est très bien. Oscar Schmidt a marqué 43 points. Mais c'est son copain Marcel de Souza, ce grand shooter qui a 35 ans maintenant, qui a marqué un tir décisif à 3 points dans les dernières secondes. Avec 2 lancers francs aussi d'Oscar Schmidt, le Brésil arrache la victoire face à Mexico, malgré un grand shooter, Arroyo, qui a marqué lui 31 points pour le Mexico, dans des positions
tout à fait invraisemblable. En déséquilibre, à droite, à gauche, à 3 points, à 2 points, il a marqué de partout comme Oscar Schmidt. Vous verrez cette équipe du Brésil d'ailleurs en demi-finale, puisque Georges vous l'a dit, elle est déjà qualifiée, vous la verrez donc vendredi soir. Et puis vous verrez peut-être également Arroyo, c'est l'équipe du Mexique. Tout dépendra là des matchs à venir. Oui, on espère voir justement le Mexique. Ah, oui. Car c'est un jeu très très spectaculaire. Beaucoup de shoots de loin. Voilà le classement de la poule B. On vient de vous en parler. Ah, c'est plus joli avec les drapeaux tout en couleur. Comme le terrain est très très joli avec ses couleurs en pastel. Le Coliseum archi-comble. Il faut savoir que ce parquet a été mis en place pour ce tournoi. Parquet construit dans le Minnesota et les constructeurs espèrent vendre justement ce parquet en Europe, car vous savez, les dimensions européennes ou pour le basket international ne sont pas les mêmes que dans la NBA. Notamment, le terrain est un peu plus court et un peu moins large en basket international. Le 5 de départ, Magic Johnson, comme d'habitude, Michael Jordan, Scottie Pippen, Pat Ewing, Charles Barkley. Donc le 5 de départ change chaque jour. Oui, Michael Jordan n'est même pas là d'ailleurs. Première fois que Drexler... C'est Clyde Drexler qui va jouer à sa place, qui est dans le 5. Première fois que Drexler démarre. Hier, Barkley n'était pas dans le 5 de départ. Il a été le premier jour. Donc c'est la première fois aussi que Pippen est dans le 5 de départ. Et entre deux, à l'avantage de Butler. C'est la première fois que l'équipe qui affronte les États-Unis prend l'avantage à l'entre-deux au départ. En 1 contre 1. Ça commence mal pour le Panama avec un air ball à gauche du cercle. Et Pat Ewing en tête de raquette. Le rebond pour Stuart Gray. Eddie Chavez, le meneur de jeu de cette équipe du Panama. Hier, les spécialistes avaient l'air presque déçus. Seulement 44 points d'écart face au Canada. Un mauvais match, on disait un peu. Chavez à 3 points. Et les États-Unis sont menés, Georges. 3-0. Dominé. Surtout que Chavez avait été assez maladroit à 3 points lors des deux premiers matchs, notamment lors du premier match contre l'Argentine. Il avait fait 2 sur 10, dont 0 sur 3 à 3 points. Il est là, concentré. Patrick Ewing. Défense de zone utilisée par l'équipe de Panama. Chavez pour mettre en place le système panaméen. Gray face à Patrick Ewing, intérieur, Fraser qui ressort pour Stuart Gray en tête de raquette, un peu court. Un peu impressionné aussi peut-être de jouer face à toutes ces stars. Scottie Pippen, rebond pour Pat Ewing. Et Stuart Gray, Fraser et Eddie Chavez. Le Panama a intérêt à ralentir la cadence comme a fait le Canada hier en première mi-temps. Jackson avec Fraser. Chavez intérieur pour Mario Butler. Et Stuart Gray, claquette, le ballon est dedans, il est rentré. Claquette de Leroy Jackson, justement le joueur qui connaît bien la ville de Portland. Il a joué à Oregon State. Trois points. Clyde Drexler. Chavez. Et trois points également de Mario Butler. Très adroit. Début de partie d'un côté comme de l'autre, même s'il y a eu un airball tout à l'heure de Stuart Gray. Très concentré surtout. Encore une fois, les Américains prennent tous les matchs au sérieux. Beaucoup de respect pour l'adversaire.
Chavez avec un bloc de Stuart Gray. Interception, attention à la rapidité des contre-attaques américaines. Voilà Scottie Pippen. En contre-attaque, impossible de faire quoi que ce soit contre cette équipe américaine. Et faute de l'attaquant. Un mauvais écran. Et Pippen lancé. Voilà le jeu rapide. L'arme principale des Américains. Magic a tenté une passe spectaculaire à une main. Le ballon a glissé. Justement, je me demande pourquoi chaque fois dans ce genre de tournoi, on utilise les ballons neufs, car pendant 2-3 jours, il faut quand même user un peu les ballons, sinon ça glisse terriblement. Eli Chavez, deuxième panier à 3 points, deuxième tir réussi de suite pour Eli Chavez. Ça part plutôt bien pour lui. Clyde Drexler, Magic Johnson, Barclay qui ressort pour Magic. Drexler, Pippen, ballon qui tourne bien du côté des Américains et intérieur pour Charles Barclay. Barclay qui utilise sa puissance comme d'habitude sous les panneaux. Très bonne passe de Magic Johnson et temps mort demandé. Vous avez compris que chaque fois il faut demander un temps mort après environ 4-5 minutes pour la télévision américaine. Même si aujourd'hui le match ne passe pas sur une grande chaîne nationale, mais plutôt sur la chaîne en langue espagnole. D'ailleurs, cette chaîne diffuse tous les matchs de la Dream Team. Et comme l'équipe du Canada, l'équipe panaméenne résiste plutôt bien en ce début de match, puisqu'on joue depuis 4 minutes maintenant, que le Panama mène d'un point. On s'y attendait pour l'équipe canadienne, bien évidemment, avec ses gros gabarits, avec ses physiques sous les panneaux. Cela dit, on s'y attendait peut-être un petit peu moins pour les Panaméens. Oui, mais il y a le métier chez ces joueurs qui ont le trentaine passé. Ils vont ralentir la cadence. Le problème, ça va être le repli défensif et aussi le physique. Il faut savoir que 3 joueurs de l'équipe de Panama ont été éliminés de l'effectif au dernier moment à cause d'une réclamation déposée par l'équipe de Puerto Rico. Donc Ricardo Grant, Rich Henry et Anthony Fils n'ont pas eu le droit de participer à ce pré-olympique. Vous savez, il y a toujours les questions, est-ce qu'un joueur est vraiment naturalisé, il est né au Panama, donc il peut bénéficier de la nationalité au dernier moment et tout ça. Donc justement, l'équipe de Puerto Rico disait, il ne faudrait pas non plus que le Panama soit trop fort, sinon on risque de perdre notre place à Barcelone. Donc voilà, 3 joueurs qui ne sont pas là. Donc l'effectif n'est pas de 12 joueurs, mais de 9 pour l'équipe de Panama, qui mène quand même à la marque après environ 4 minutes de jeu. C'est quand même extraordinaire. Remise en jeu Scottie Pippen pour Magic Johnson. Barclay. Défense de zone 3-2. Magic en pénétration qui ressort pour Clyde Drexler à 3 points. Et le rebond est pour Patrick Ewing. On va refaire tourner le ballon. Drexler. Pied, donc à nouveau 30 secondes. Alors voilà, une défense de zone 3-2 bien bétonnée. Et cela va obliger les Américains à faire circuler le ballon comme face au Cuba. Magic. Oh oui, 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 quelle passe! 22 regards de Magic. Caviar pour Ewing. Et qui aussitôt va faire pressing sur Eli Chavez. Qui peut donner à Fraser, il s'en fout de justesse. Les Panaméens conservent quand même le ballon. Avec Leroy Jackson, Chavez. Pressing très très haut de Magic qui gêne considérablement le meneur de jeu du Panama. Mais le Panama contrôle la cadence jusqu'à là. Stuart Gray. Et voilà les joueurs qui ont confiance. La plupart de ces joueurs ont participé au championnat NCAA, le championnat universitaire américain. Magic. Pippen qui ressort pour Magic. Pippen à 3 points qui a hésité. Et finalement, c'est Drexler.
Beaucoup de mouvements sans ballon de la part de Clyde Drexler. Chavez avec Butler. Pas de précipitation, pas de tir rapide. Voilà la meilleure manière de donner le rythme et de ralentir le rythme surtout. Butler et faute de Charles Barkley. Voilà, Barkley qui a fait un mauvais geste en lançant le ballon sur le bras de l'arbitre suédois. Chavez et entrée en jeu de Carlo Rucksed. Bonne statistique pour l'instant, deux bons premiers matchs pour Carlo Rucksed. Stuart Gray, petit peu gêné, qui cherche une solution, un appui. Chavez qui profite du bloc de Leroy Jackson, tire à 3 points. 3 sur 3 à 3 points pour Edith Chavez. Très étonnant. Charles Barkley, Drexler, Magic. Ballon récupéré par Barkley en déséquilibre. Est-ce qu'il faut savoir que Edith Chavez a réintégré l'effectif au dernier moment, justement pour pallier les trois absences dont on parlait tout à l'heure. Alors là, il se fait remarquer dans ce début de match. Et ce meneur de 35 ans, moustachu. Première faute pour Patrick Ewing. Jackson avec Stuart Gray, sa position préférée en tête de raquette. Le surnombre. Passage en force, bien défendu. Leroy Jackson. Et 7 minutes de jeu, et le Panama mène toujours de 2 points. Panama qui pour l'instant fait même mieux que le Canada. Oui, hier Chuck Daly disait après le match qu'il n'était pas très content de la première mi-temps de son équipe. On avait du mal à se mettre en route, disait-il. Et il fallait qu'à la mi-temps, on se motive un peu pour revenir faire la différence en deuxième mi-temps. Sortie d'Eddie Chavez, rentrée de Reginald Grenald. Le public un peu anesthésié jusque-là. Barkley pour Drexler, rapidement en contre-attaque. Ouh. Et Pippin. Bavaroum, Scottie Pippin devant tout le monde comme un receveur de football américain. Grenald. Bien fait de la part de Grenald face à Magic Johnson. Rucksed. Oui, Magic a dit hier, c'est pas facile de jouer contre ces meneurs de petite taille. Ils sont rapides. Bon travail de Gray. Moins brillant la finition et la contre-attaque de Charles Barkley pour Pippin. La seule faiblesse du Panama jusque-là, le repli défensif. Mais ça va tellement vite aussi côté ouais. Américain. Tout le monde court, même les pivots, les Ewing et les Robinson ne sont pas les moins rapides dans cet effectif-là. Magic qui va aller discuter avec Chuck Daly. Oh, dis donc, Chuck, faut y aller là. Trois fautes de chaque côté pour l'instant, dont deux déjà pour Mario Butler. Cinq points pour Pippin, cinq pour Drexler et six pour Ewing. Les trois seuls marqueurs côté américain jusque-là. Grenald pris très très haut par Magic Johnson. Attention à l'interception de Charles Barkley, ça ne marche pas. Et Barkley... Et marché, si, ça marche finalement. Ça marche dans le mauvais sens du terme. Barkley qui cherche l'interception chaque fois. Barkley. Pippin, ballon qui continue de bien tourner. Encore une superbe passe de Magic pour Charles Barkley en déséquilibre, récupéré par... Magic et maintenant Pat Ewing qui ressort pour Scottie Pippin. Magic.
Drexler. Magic très collectif. Cherche même pas la position. Et il avait le pied sur la ligne, Pat Ewing. Peut-être Magic devrait chercher un peu sa position de chute, justement. Bonne défense cette fois-ci. Je crois que la zone était en 1-3-1. C'est-à-dire avec une ligne de 3 au milieu. Donc c'est assez tactique. Et c'est assez bien vu de la part de l'entraîneur de l'équipe du Panama qui s'appelle Jim Barron. Il faut savoir qu'il entraîne l'université de Saint Francis College, comme on dit aux États-Unis. Et donc c'est un entraîneur très coté, Jim Barron. Là vous voyez d'autres entraîneurs encore plus cotés que lui. Voilà Jim Barron. Alors, on avait des résultats à vous donner parce que si vous êtes là devant votre poste à 4 heures du matin, vous aimeriez peut-être savoir que l'Italie a battu la Tchécoslovaquie dans le pré-olympique européen à Saragosse de 4 points, 78 à 74. Et voilà la grande surprise, la Slovénie a battu l'Allemagne 88 à 76. La Lituanie a battu l'Israël de 10 points seulement, 95 à 85. Et la Croatie a arraché la victoire face au CEI de 4 points, 85-81. Une victoire très importante pour les Croates. Alors, le classement, il faut savoir que les matchs opposants, les équipes qui étaient dans le même pool au premier tour, sont comptés pour ce deuxième tour qualificatif pour les 4 premiers au classement pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et pour l'instant, ce classement donne la Lituanie avec 6 points, l'Allemagne avec 4 points, l'Italie avec 4 points, la Slovénie avec 4 points. Donc voilà les 4 premiers pour l'instant. Ensuite, la Tchécoslovaquie, la Croatie et le CEI, 2 points. L'Israël, 0 points. Ça va être serré jusqu'au bout. Surtout pour les Croates qui ne sont pas en position en ce moment pour aller à Barcelone. Et des équipes qui apparaissent d'ores et déjà très très fortes comme la Lituanie. Avec Sabonis, avec Marciulonis qui joue au Golden State Warriors, avec Komičius, Kurtinaitis, on les reverra sûrement à Barcelone. En attendant, le Panama avec Grenald. Ruxed. Défense plus stricte et plus haute utilisée par les États-Unis. Mauvaise passe, aussitôt Mario Galvez qui vient d'entrer en jeu récupère ce ballon. Galvez se jette. Ah non, l'arbitre avait sifflé. Barkley qui aurait dû être un peu frustré jusque-là. Et normalement, le panier ne sera pas accordé. Et c'est une bonne question, pourquoi pas. L'horloge des 30 secondes a sonné, mais la contre-attaque semblait quand même lancée. Oh là là, regardez l'image de Barkley. C'est pas possible, ça. Barkley qui a mis carrément son abdomen dans le panier, son bras, son coude, sa tête et tout ce que vous voulez. Le panier n'est pas accordé, mais ça restera une image spectaculaire. Ballon pour les Américains. Toujours un point d'avance simplement pour les États-Unis, 16 à 15. On joue depuis 9 minutes dans cette première période. Et ça commence à jaser un peu dans le public. Oui, le public qui a même applaudi très sportivement, timidement, mais sportivement, l'équipe du Panama tout à l'heure, lors du temps mort. Ewing. Et Barkley, contré. Ah, ça c'est intéressant. L'arbitre sous le panier a dit entre deux. L'arbitre vénézuélien, qui s'appelle José Herrera, du même nom d'ailleurs que la vedette de l'équipe de la Venezuela. Et l'autre arbitre a vu une faute. Et la faute va prendre précédent sur l'entre-deux. Encore un règlement dans le basket international, régi par la FIBA. Dans la NBA, c'est l'arbitre en chef qui aurait pris la décision. Voilà une petite différence encore. Et Barkley qui regarde l'arbitre et dit « Oh, Monsieur Herrera !» Barkley qui s'attendait de toute façon à quelques matchs serrés et... Il avait dit, nous n'allons quand même pas tuer tout le monde d'entrée. Comme ça s'est passé avec Cuba, comme ça. Je m'attends à plusieurs premières mi-temps serrées, tout au moins. Le temps que nous rentrions dans le match. Ensuite, bon.
Oh là 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 là, il faut pas faire ça. Et maintenant, une faute technique contre le banc du Panama. Bon, on va pas commencer à critiquer, mais vraiment, il suffit de ne pas trop écouter. Et cela aurait rendu le spectacle plus intéressant. Monsieur Roger Ekström, qui est l'arbitre suédois, qui vient de donner cette décision. Donc, deux lancers francs, plus le ballon, parce que la faute technique est contre le banc du Panama. Ah ben là, on a fait le tour du règlement en ce qui concerne les fautes. Un petit peu tatillon pour l'instant, cet arbitrage. Maintenant, il va aller expliquer à la table sa décision, blablabla. Bla, bla. Bon, si on allait jouer maintenant. Alors, les Américains vont donc conserver le ballon. Barclay. Oui, et on reprend le ballon au milieu du terrain et les Américains ne le savaient pas. Et sur le banc, rentrée de Chris Mullin, Michael Jordan est là, Karl Malone. Et Magic qui trouve tout de suite Karl Malone. Déjà 4 passes décisives pour Magic Johnson. Faute de Magic sur Grenald. Et ballon remis en jeu par Carlo Rackshead. Étonnante cette pression, ce pressing américain. Vous avez vu la façon avec laquelle Magic a pris le ballon. Grenald. Galvez. Oui, marche. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Et les Américains rapidement en contre-attaque avec Magic Johnson. Faute. Et Magic qui cherche le contact. Un ordinateur, ce joueur, avec la tête levée, il voit tout, le vista. Et avec sa taille de 2m04, il peut aller près du cercle. Il ne faut pas oublier qu'en 1980, il a remplacé Karim Abdul-Jabbar à la place de pivot pour aller gagner le sixième match et le titre à Philadelphia face à Julius Erving et compagnie. Magic dit toujours que c'est le plus grand match de toute ma carrière. Cette finale gagnée au début de sa carrière professionnelle. Il a la cassette chez lui d'ailleurs. Et quand il a un peu de déprime, il regarde la cassette. Mario Galvez et rebond pour Karl Malone. Jordan. Chris Mullin. Les Américains sont en train de trouver le bon rythme. Chris Mullin, le casseur de la défense de zone habituellement. Avec Larry Bird, deux joueurs avec un rôle important à Barcelone aussi. Rackshead pour Stuart Gray. Beaucoup moins adroit qu'en début de match, les Panaméens. Alors Chris Mullin qui avait vu David Robinson, Mario Galvez face à Magic Johnson et le contre de Johnson. C'est Jordan qui compte. Récupéré par Butler. Et la contre-attaque avec Michael Jordan pour Chris Mullin à 3 points. Chris Mullin qui suit son ballon, qui se jette dessus, qui se bat. Et Magic qui va pouvoir réorganiser tout ça. Jordan. Magic. Mullin. Ça fait 2 sur 3 à 3 points pour Chris Mullin. Il a beaucoup de temps pour armer son tir. La défense est très rétrécie, c'est compréhensible pour protéger la raquette. Comme dit Dennis Rodman, Mullin, vous ne l'avez pas vu du match, vous pensez avoir défendu comme un fou sur lui, et à la fin, il a quand même mis 30 points. Mullin, de nouveau, avec Magic. Oh, Karl Malone. Deuxième faute pour Magic Johnson. Bah, le public n'est pas content, mais moi j'ai dit bravo, bonne décision de José Herrera, qui lui n'est nullement impressionné par la présence de toutes ses stars. Il fait son arbitrage comme d'habitude.
Et l'équipe des États-Unis qui vient d'infliger un 13-0 au Panama, puisque les États-Unis menaient 16-15 et qu'ils mènent désormais 29-15. On vient de voir un contre extraordinaire de Michael Jordan. Là, c'est le tir à 3 points. Alors, on va peut-être voir le contre tout à l'heure avec ses ralentis. Le réalisateur pour la télévision internationale nous offre. Geste très pur de Clyde Drexler, qui a beaucoup travaillé son tir à mi-distance. Il n'était pas très adroit quand il jouait à l'université. Il jouait toujours en pénétration. Et jolie claquette. Leroy Jackson. Scottie Pippen. Il faut savoir que Leroy Jackson, comme Stuart Gray, ont des pères qui ont été militaires au Panama. C'est pour cela qu'ils sont nés là-bas. Là, c'est l'adresse impressionnante d'Eddie Chavez. Alors maintenant, on va montrer les plus beaux contres des deux premiers matchs, après avoir vu le contre de Michael Jordan tout à l'heure dans cette rencontre. Et reprise du jeu avec la rentrée d'Eddie Chavez. 3 sur 3 à 3 points pour l'instant. Le Panama qui a grand besoin d'adresse, de genre de shooter pour essayer de recoller au score. Faute sur Mario Galvez. Les Américains ont quand même réussi un 14-0. Voilà Bill Cosby à côté d'Ahmad Rashad. Ahmad Rashad qui est marié avec sa femme Phyllis Rashad, qui jouait avec Bill Cosby dans le Cosby Show, que vous avez peut-être vu en France sur M6. Et nouvelle faute. D'ailleurs, j'ai vu Ahmad Rashad ce matin, qui annonçait qu'il allait faire partie de l'équipe de NBC, qui va couvrir les Jeux Olympiques 24 heures sur 24, sur trois chaînes câblées simultanément. Bon, il paraît qu'ils vont perdre beaucoup d'argent avec cette affaire-là, mais c'est quand même une idée très moderne de lancer les Jeux Olympiques sur trois chaînes, 24 heures sur 24, simultanément. Chaîne câblée. C'était la septième faute côté américain. La première de Karl Malone, il y en a deux pour Scottie Pippen, deux pour Magic Johnson. Et le Panama qui est toujours à 15 points. Mais qui était à égalité il y a 2 minutes 30. Ouais. Pratiquement à égalité. Stuart Gray. Mario Galvez pour Eddie Chavez. Et Jordan qui va certainement tout faire pour que Chavez ne soit pas en position de shoot à 3 points. Voilà, aussitôt Jordan qui monte sur lui, qui force son tir. Chavez, il est en confiance. Oh, c'est extraordinaire. Et ça, formidable. 4 sur 4 à 3 points, et pourtant là il avait un petit peu précipité son tir. Il n'y a pas que les Américains pour faire le spectacle dans cette rencontre. Bravo Eddie Chavez, grand shooter. Jordan en force, mais cette fois l'arbitre siffle la faute pour Eddie Chavez. Et c'est Bill Cosby qui va aller faire l'arbitrage à la place. Oh, ça c'est fantastique, il est juste devant Pippen. Regardez, Bill Cosby qui est l'acteur le plus payé de tous les États-Unis avec sa série télévisée, qui était en tête des sondages pendant une dizaine d'années, le Cosby Show. Sacré bonhomme. Robinson pour Karl Malone à l'intérieur, et ce sont les Panaméens qui vont hériter du ballon. Et pressing tout terrain de la part des États-Unis. Eddie Chavez qui manque un petit peu de soutien, voilà.
Butler est venu l'aider, Stuart Gray. C'est bien joué ça. Bien ressorti ce ballon, Stuart Gray qui fait écran. Panaméens qui reviennent, 29-20. Enfin qui reviennent, tout est relatif. Chris Mullin. Alors Chavez, 4 sur 4 à 3 points. Et Mullin, ça doit faire 3 sur 4. 9 points au total pour Mullin. Jordan pour oh, Karl Malone. Les deux points sont accordés. Et encore une fois, c'est peut-être plutôt la défense des États-Unis qui impressionne le plus, seulement 20 points marqués par les joueurs du Panama. On parle beaucoup des beaux gestes très spectaculaires de ces joueurs professionnels, mais la défense depuis 3 matchs est impressionnante. Drexler remplace Pippen. Et à propos du score, justement, comme le dit Karl Malone, il nous faut de nous donner un petit peu de temps, dit-il, avant qu'on ne batte tout le monde par 80 points d'écart. Oui, ce sont des matchs de 40 minutes aussi, pas 48. Ah, et voilà, Ewing a compris le règlement international. En NBA, le ballon serait dans le cylindre, comme on dit dans le jargon, donc il n'aurait pas pu le toucher, mais là, il peut. Et il en profite. Eddie Chavez, toujours pris très près par Michael Jordan. Défense individuelle très flottante utilisée par les joueurs américains. Défense qui serait interdite en NBA car c'est entre une défense individuelle et une défense de zone. Larry Bird n'a toujours pas joué. S'est échauffé longuement. On pensait qu'il allait faire son retour sur le terrain aujourd'hui. Mais alors, ce n'est pas encore le cas. C'est la 8e faute des États-Unis. Lancé franc. Donc pour Leroy Jackson, le premier réussi. Bel athlète de Leroy Jackson et voilà Jim Barron, le baron de cette équipe, la tête pensante. Le deuxième également, 14 points d'écart, 36-22 pour les États-Unis et 6 minutes à jouer avant la mi-temps. Drexler, Jordan, qui profite du bloc de David Robinson pour donner pour Karl Malone. Et Stuart Gray qui prend le rebond. Eddie Chavez maintenant. Pour Fraser. Gray qui va peut-être tenter de défier Robinson. Leroy Jackson qui a bien suivi son ballon, qui prend le rebond, qui shoot. Et voilà, c'est Robinson cette fois-ci qui profite du règlement international pour enlever 2 points. Justement, ça fait quelques mois que j'en parle de ce règlement-là. Et d'ailleurs, Scottie Pippen nous disait l'autre jour à la conférence de presse que justement, les Américains allaient avoir besoin de 2 ou 3 matchs pour s'y adapter, mais ensuite, ils allaient pouvoir enlever un maximum de points car ils ont, Robinson, Pippen et tous les autres, ils ont une détente qui permet cela. Karl Malone au lancer franc. C'était drôle tout à l'heure quand Malone a raté son tir. Il y avait Jordan qui lui a dit « Ah, dis donc, vous allez m'enlever une passe décisive. Il faut marquer les paniers de près. » Et maintenant, il va aller voir Malone. Il va dire « Voilà, c'est bon, Karl. » Pour se rattraper un peu. Jordan qui a l'air un peu plus intense aujourd'hui. Bon, sur le banc, par contre, l'intensité est à son comble. Avec Barkley qui rigole avec Ewing et Larry Bird. Le plus embêtant, c'est que Bird n'est toujours pas rentré. On l'avait vu s'échauffer. Il était le premier même sur le parquet à venir s'échauffer à 3 points. Impressionnant. Il paraît que c'est dans l'avion entre San Diego et Portland que Larry Bird a ressenti à nouveau un peu de mal à son dos. Drexler, un homme vraiment charmant. Et vous allez profiter de sa gentillesse parce que nous avons filmé une longue interview avec Clyde Drexler après le match d'hier. Et nous allons pouvoir vous offrir quelques bribes pendant les Jeux Olympiques de Barcelone. On va ramener toutes ces cassettes et préparer ça pour les JO de Barcelone sur Canal. Mario Galvez au lancer franc. Premier point de Galvez dans ce match. Lui aussi peu en réussite contre l'Argentine, il avait fait un 0 sur 6. Ah, vous êtes méchant. Hein.
Et là, 2 sur 2. Dedans. Le score 37-24, c'est bien pour le Panama. 13 points d'écart. Comme l'équipe du Canada, les Panaméens tiennent tête aux Américains. Clyde Drexler qui ressort pour Michael Jordan. Les 3 premiers points de Michael Jordan dans ce match. Et le premier tir aussi. Oh, Galvez, un petit peu désespéré ce tir. Jordan en contre-attaque. Ouais, oh, superbe. Ouais, ouais. Oh, c'est pas vrai. Hey, Jordan s'est dit, mais si Malone va arrêter toutes les passes en or que je lui offre, alors je vais prendre le match à mon compte maintenant. 2 tirs réussis à 3 points. Jordan qui allait beaucoup plus motivé. Alors il joue, Jordan, hein? Se retrouve en 84 avec les Jeux Olympiques. Bon, Ronald, il faut qu'il se débarrasse du ballon, il a bien du mal. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi et la contre-attaque des Américains avec Chris Mullin. C'est vrai, vous avez raison, on sent beaucoup plus d'agressivité dans cette Américaine qui imprime un tout autre rôle, rythme, au match, et tout de suite, eh bien, ça fait 21 points d'écart. Comme hier, exactement le même scénario. L'équipe du Canada a tenu une quinzaine de minutes, mais ensuite, les Américains se sont énervés un peu. Dans les 5 dernières minutes, ils ont creusé l'écart. Quatre minutes 27 à jouer dans cette première période. Meilleur marqueur de la rencontre jusqu'à là, Chris Mullin. 11 points, 4 tirs réussis sur 5. Et Danny Ainge est dans la salle, le chouchou du public de Memorial Coliseum, qui attend son nouveau contrat. Il va tripler son salaire pour l'année prochaine. La raison est simple, il avait un contrat longue durée qui datait de l'époque où il jouait avec Boston. Enfin pour lui, enfin quand même pourrait-il dire, ce contrat arrive à son terme et donc maintenant il va pouvoir toucher le salaire qu'il mérite vraiment. Danny Ainge qui a été l'un des hommes de la finale entre Chicago et Portland. Bon, il faut savoir qu'en même temps, le gros plan sur ce jeune homme passe sur les 4 grands écrans au-dessus du terrain. Et donc, il y a presque 13 000 personnes qui le voient. Chavez, 4 tirs sur 4 à 3 points et 12 points sans faute pour le vétéran de 35 ans. Et alors, encore, ça continue. On chambre un peu. Jordan qui dit, bah, ça fait 2 passes décisives que vous m'avez enlevé, que tu m'as enlevé, Carl. Big Carl. Ça lui a permis d'avoir un 3 points supplémentaires quand même. D'accord. Chris Mullin au lancer franc. 2 sur 2 pour Jordan et 6 points. Une passe décisive au total. Et Ronald. Pour Leroy Jackson. Ruxed Jackson. Ballon pour le Panama. On va voir, oui, il y a d'abord un pied de Mullin. Grenade. Façon avec laquelle Robinson prend ce ballon pour le donner à Mullin. Qu'est-ce que ça va vite. On a beau être très fort en repli défensif, c'est difficile quand même de faire quelque chose contre cette équipe des États-Unis. Le lièvre. Grenald, qui a un mal fou à se débarrasser de Jordan et à donner ses ballons. Ruxed. Bien fait. Récupéré par Fraser, Grenald qui écarte pour Leroy Jackson. Oh, jolie feinte.
Il a fait fêter Drexler. Et deux points de Guillermo Myers. Qui a joué en Europe la saison passée. Moline à trois points. On parle de Chavez, c'est pas mal non plus, Georges, pour Chris Moline. Il fait un grand match, 17 points, 6 tirés, 6 sur 7. Et les Américains sont à 7 sur 11 à 3 points. Moline et Jordan. Moline. Fraser contré. Et Clyde Drexler. Oh, oh, oh! Fantastique! Ça, c'est vraiment pour régaler le public, son public. Ah, comme il le dit, Clyde Drexler, c'est vraiment pour moi le meilleur endroit pour jouer ce tournoi. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir de jouer ici à Portland. Il nous a dit que carrément Portland, c'est la plus belle ville de tous les États-Unis pour vivre. Et un peu préjugé, il a dit aussi. Jordan, 3 sur 3. Wow. Ah, décidément, entre Jordan et Chris Moline et même Eddie Chavez, on à trois points, on est en réussite et on se régale. Le contre de Jordan. Voilà, le spectacle est en route. Et surtout, Jordan a beaucoup plus envie de jouer aujourd'hui, on le sent. Alors, restez à l'écoute parce qu'encore une fois, c'est vrai que ce n'est sûrement pas facile pour vous alors qu'il est en France, mais ça en vaut la peine. Et peut-être est-ce que les Américains vont battre les 136 points, qui sont le record de points marqués par une équipe olympique américaine. Ils ont établi ce record contre Cuba avant-hier. Pour l'instant, on en est à 58 points et on est encore à 2 minutes de la mi-temps. Le smash de Drexler, on se la repasse. D'ailleurs, on est sûr que vous êtes nombreux à magnétoscoper ces matchs, donc vous avez la possibilité de repasser les belles actions, vous aussi. Faute de Jordan. Première faute pour Michael Jordan. Côté américain, il y a deux fautes pour Drexler, deux pour Pippin, deux pour Magic Johnson et une pour Jordan. Il y en a une également pour Karl Malone. Encore une fois, les Américains dominent au rebond. 18 rebonds à 9, deux fois plus de rebonds pour les États-Unis. Deux points pour Grenald. Jordan, Drexler. Avec Jordan de nouveau pour Robinson. Oh, contré oui. Par Myers. Ah, il pourrait dire à ses petits-enfants qu'il a contré David Robinson. Ah oui, surtout qu'il y a une différence de taille, regardez, entre deux. Robinson se plaint que la balle était dans sa phase descendante. Disons qu'il était tellement haut que dès qu'il a shooté, le ballon était déjà dans sa phase descendante. Il n'y a pas eu de phase ascendante, en fait. En plus, ça doit l'irriter un petit peu quand même, quand on s'appelle David Robinson, de se faire contrer par Guillermo Myers. Et encore, ce n'est pas Charles Barkley qui se fait contrer. Et lui, ça l'énerverait beaucoup plus. Ah, c'est génial. Quel plan. Jordan, très souriant. Donc, il rigole, mais après, il se précipite pour se mettre en position pour piquer le ballon. Et là, il y a Grenard qui dit, « Oh, non, je ne suis pas dupe, moi, hein, j'ai vu venir. » 2 sur 2 pour Malone, 60-28. Oh, et on se chambre, oh, c'est génial. On se chambre entre Grenard et Jordan. Bonne humeur pour l'instant, bonne ambiance dans ce groupe américain aussi. C'est vrai qu'ils peuvent se le permettre parce qu'ils gagnent les matchs assez largement. Oui, c'est Jordan et Barkley sont les deux chambreux de l'équipe qui mettent de la bonne ambiance, surtout en faisant les plaisanteries au sujet de Christian Leitner, le jeune universitaire, qui prend plein le visage chaque jour. Quelques décisions curieuses. Faute pour Robinson. À
Alors j'ai vu un expert dans le journal hier qui disait que pour lui, la finale NBA l'année prochaine va opposer San Antonio à Chicago. Donc David Robinson face à Michael Jordan, ça pourrait être une très très belle finale. Ah, bonne défense de Robinson pour se rattraper. Il faut savoir que Dale Ellis, le super shooter à 3 points de l'équipe de Milwaukee, va jouer avec Robinson l'année prochaine à San Antonio. Et donc ça va peut-être écarter un peu le jeu et libérer Robinson à l'intérieur d'avoir un shooter de plus dans l'effectif. En plus, Robinson a manqué 15 matchs quand même cette année avec les Spurs, ce qui les a handicapés. Oui, surtout en playoff. Ruxhead. Not bad. Carlos Ruxhead. 60 à 30, la dernière minute avec Jordan à 3 points. Et il nous refait un peu le numéro de la première mi-temps du premier match de la finale. Contre Portland, où il avait marqué 35 points en première mi-temps. Et si Penny a 3 points, là il en est à 4. Non mais si Penny a 3 points en première mi-temps du premier match de la finale. Là il doit en être à 4 je crois. Exact. Hein, c'est ça. Et Chris Mullin doit être pas mal non plus. Grenald. À 3 points également, moins adroit. Et faute de Carlo Ruxhead. Quatre secondes encore avant la mi-temps. Oui, Mullin a 4 paniers à 3 points également, comme Jordan. Et comme Chavez, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est vrai qu'il a beaucoup joué en début de première période et qu'il est resté sur le banc. Après. Mais c'est vrai aussi que la plupart des entraîneurs des équipes qui affrontent les États-Unis préfèrent préserver leur 5 parce qu'il y a des matchs beaucoup plus importants. C'est bien que tout le monde joue contre les États-Unis, ça leur fera un souvenir comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs beaucoup plus importants pour eux, qualificatifs pour Barcelone. Et il fait donc préserver le 5 un petit peu. C'est la raison pour laquelle Stuart Gray, par exemple, ne joue pas. Fin de cette mi-temps, 64 à 30. Alors, est-ce que Jordan a shooté le deuxième lancer franc avec ses yeux fermés? Parce qu'il l'a fait déjà deux fois ou trois fois dans les matchs professionnels. Sacré bonhomme, ce Michael Jordan. Comme Pippen, comme Mullin. Mullin, le meilleur marqueur du match, 17 points, Jordan 15. Côté Panama, 12 points pour Ed Chavez. Alors, impressionnante la statistique, pourcentage de réussite à 3 points. 64% pour les Américains, 57% pour le Panama. Et en ce qui concerne les tirs à 2 points, les Américains sont très adroits, plus de 60%, mais pour le Panama, 30%. Donc c'est là où le bas blesse. 34 points déjà à la mi-temps, donc on pourrait voir l'écart battu de 79 points face au Cuba, c'est possible. Ah oui, on pourrait voir les 136 points battus également, parce qu'ils s'ils font un tout petit peu mieux. Si on multiplie 64 par 2, ça fait 128, il suffit donc de faire 10 points de plus. On peut s'attendre à voir tomber beaucoup de records dans... Oui, mais il y a quand même un record que vous aimez beaucoup, Eric. C'est le record. Match universitaire. Voilà, le championnat du monde universitaire. Alors, je vais vous laisser donner. Alors, oui, parce que c'est un score quand même étonnant. Ça s'est passé en 1979. Et les États-Unis, lors du championnat du monde universitaire, ont battu le Soudan 173 à 14, 159 points d'écart. C'est quand même inhabituel. Oui, un record. Alors voilà les petits super dribbleurs qui vont nous faire un spectacle à la mi-temps. On va leur laisser faire leur métier. Déjà très tard. Alors ça c'est bien enregistré, tous ces maniements de ballon. Voilà le genre d'exercice qu'il faut apprendre aux jeunes basketteurs
c'est amusant. On peut se faire plaisir, mais en même temps, on peut travailler son adresse et le maniement de ballon. Son toucher de balle, c'est ça le plus important. D'ailleurs, c'est un très bon échauffement, même pour les équipes professionnelles. Là, on dirait Olivier Barberin de l'équipe des Canal Blues. Notre meneur attitré qui fait à peu près la même taille d'ailleurs. Oh là là, ça continue. Avec trois ballons maintenant. Bon, c'est évident que ces ballons-là sont un peu surgonflés, les ballons en caoutchouc, mais là, ça va très vite. On appelle ça le popcorn machine, cet exercice-là. Et très applaudi, c'est pas mal du tout. Hein. Futur joueur des Blazers, peut-être. The Wiz Kids. Le vieux 8. On a déjà vu la fameuse dribbleuse Tania à Paris pour le tournoi McDonald's. Elle faisait tourner 8 ou 10 ballons comme ça, en même temps. Il faut déjà arriver à atteindre le panier. Très américain ce spectacle, très bon enfant. Ah. Et maintenant on fait plaisir au public en distribuant des mini ballons de basket. Ah, dis donc, il envoie loin les mini ballons. Ah oui, jusqu'au 7e rang. Sacré coup de bras. Il pouvait jouer au baseball aussi celui-là. Voilà, on applaudit les Wiz Kids et maintenant on revient sur la Dream Team avec un sujet de Thierry Brugalier avec la musique de Phil Collins. Vous l'avez constaté, Magic is back. Magic est de retour. They came at night, leaving fear behind. Shadows around the
Magic Johnson qui fait encore un grand match ce soir et qui à chaque instant s'étonne de jouer dans cette équipe. Il dit c'est tellement incroyable quand vous avez le ballon, vous avez mille fois plus d'options, vous pouvez la donner à n'importe qui, tandis que dans votre équipe vous devez faire attention. Et le résultat, 64 à 30 pour les États-Unis face au Panama. Oui, Magic a dit qu'un rêve, quand il y a à droite Larry Bird et à gauche Michael Jordan, on peut donner le ballon n'importe où et c'est réussi. 7 passes décisives au premier mi-temps pour Magic, 4 tirs sur 4 au lancer franc, donc 4 points marqués pour le meneur de jeu de la Dream Team. Alors l'autre joueur très en vue lors des deux premiers matchs, Charles Barkley, meilleur marqueur des deux premiers matchs. Ce soir, Charles Barkley n'a pas marqué beaucoup, seulement un point sur un lancer franc, 0 tir sur 3 pour Barkley qui avait l'air quand même un peu énervé tout à l'heure. Alors maintenant, on a un sujet Charles So High avec la musique, le tube de cet été, la très très belle chanson de Désiré, une des chanteuses préférées d'ailleurs de Michael Jordan. Voilà, c'est Charles So High avec et retour sur les plus belles actions de cette première période. On va vous laisser les déguster au ralenti. Il y a des images formidables, comme ce smash de Pippin. Et Chavez, 4 sur 4 à 3 points. Après, un dribble entre les jambes, il faut le faire. Les Américains ont prouvé qu'on peut marquer des paniers à l'intérieur contre une défense de zone si on bouge beaucoup et si le ballon circule rapidement. Défense de zone, soit en 3-2, soit en 1-3-1, soit en 2-3. On court un panier à l'intérieur contre la zone. Cinq points pour Pippen en première mi-temps. Quatre paniers à 3 points également pour Mullin. Et chaque fois, il fait des gestes très très difficiles avant de tirer de 7 mètres, Chavez. Malone qui fait comme Barkley hier. Il utilise le cercle pour protéger son tir. Jeu direct, jeu vertical.
pas de fioriture, on lance le ballon devant, on court comme des lapins. Et là, Jordan va récupérer pour marquer à 3 points. 4 paniers pour lui aussi à 3 points. On appelle Chris Mullin dans la NBA Mr. Layup, Mr. Double Pas. Il peut marquer dans toutes les positions en pénétration. Et voilà Drexler qui fait un smash qui a été rendu célèbre par Dominic Wilkins, le grand smasher né à Paris, blessé au talon d'Achille cette saison, qui sera de retour avec les Hawks l'année prochaine. Et qui joue avec Volkov, qui lui est actuellement au tournoi pré-olympique européen. Il a marqué 30 points hier, ouais, grand match. Volkov. Ce sera l'une des attractions également de... Très très forte d'ailleurs, cette Jeux équipe de CEI. Très, très, très forte, avec Vetra, Miglinieks, Tikhonenko. Alors, puisqu'il reste environ 2 minutes avant le début de la deuxième mi-temps, on va entendre Magic Johnson. Tout à l'heure, on a vu des belles images avec de la musique, mais on va entendre Magic Johnson parler de sa forme actuelle. Il va nous expliquer que finalement, beaucoup de gens pensaient qu'il avait peut-être perdu un peu sa forme, son adresse, son basket tout court. Mais il va vous dire que ce n'est pas le cas du tout. Magic Johnson. No, no. They already know that. You know, they saw that in practice. So, no, they don't have to watch because, you know, I wouldn't be out here if I wasn't. You know, basically, that's it. I wouldn't come here. It'd be, first of all, a disgrace to myself. And then also, I wouldn't put them through that. Magic, is this going to be a true dream team? A true dream team. It is. It's fun. Les statistiques, vous voyez le pourcentage dans les tirs de champ, lancé franc, la domination au rebond des Américains. 19 passes décisives pour les Américains, seulement 2 pour l'équipe du Panama. 10 ballons perdus pour le Panama, mais heureusement, une adresse à 3 points. Donc, on pourrait dire seulement 34 points d'écart à la mi-temps. Oui, heureusement, parce que c'est leur manque d'adresse qui leur a fait perdre le match contre l'Argentine. Le premier match, 35% seulement de réussite contre l'Argentine. Ils se sont rattrapés contre Cuba. Et s'ils étaient à 35% ce soir contre les États-Unis, l'écart serait considérable. Oui, le meilleur marqueur dans ce premier match face à l'Argentine était Roxette avec 23 points. Il avait tiré 16 lancers francs, il en a réussi 14. Roxette de dos, là. Ouais, Roxette, seulement 2 points aujourd'hui, aucun lancer franc. C'est pas le même adversaire. 17 points de rebond pour Chris Mullin. Vous avez vu à côté de lui Andy Bernstein, un des photographes le plus connu de tous les États-Unis pour les photos de basket. Avec sa moustache. Et vous avez entreaperçu également John Stockton qui encourage ses coéquipiers. Et les États-Unis vont reprendre le match avec le même 5 que le 5 initial, c'est-à-dire Barclay, Drexler, Magic Johnson, Ewing et Scottie Pippen. Eddie Chavez va être également dans le 5 de départ, comme tout à l'heure, du Panama. Et à l'entre-deux, Ewing contre Butler. Portland, le mec du basketball cette année. Et ballon de nouveau pour le Panama, comme en première période. Chavez. Le score, je vous le rappelle, 64-30. 34 points d'avance pour les États-Unis. Chavez intérieur pour Butler qui a voulu ressortir pour Chavez. Finalement, il travaille en 1 contre 1 contre le Barclay. Et rebond pour Ewing. Charles Barclay. 2 points de Drexler. Et Barclay qui a contré son copain Mario Butler.
Ils se sont connus dans le rookie camp des 76ers de Philadelphia. Barkley est resté, Butler n'est pas resté dans l'effectif, bien sûr. Et encore un ballon perdu pour le Panama. Oui, petit marché de Charles. Et c'était dangereux quand même, cette action. Ewing, belle passe pour Pippin. Ça déroule. 3 sur 4 pour Pippin, 8 points dans le match. En fait, il leur faut 10 minutes pour trouver le bon rythme aux Américains à chaque match. Ce n'est que le troisième match qu'ils font ensemble. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ouais, c'est mais très peu. Face à la Croatie ou le CEI, il ne faudrait peut-être pas attendre 10 minutes pour bien jouer. Ah, premier tir à 3 points raté par Eddie Chavez. Et vous avez vu ce ballon de Charles Barkley. Oh, quelle passe de Magic et aussi de Drexler. Fabuleux. Action tout en passe à disséquer. Pour ceux qui veulent pratiquer un bon jeu rapide. Quel bras pour pouvoir donner un ballon pareil. Je pensais qu'il n'y avait que Joe Montana qui pouvait distribuer des ballons de la sorte. C'est extraordinaire. Rackhead en force. Son premier panier du match. Deuxième panier, pardon. Barkley qui a hésité. Finalement, il a vu Ewing mieux placé. Et rebond pour Stuart Gray. Eddie Chavez qui évite Scottie Pippen. Pris par Magic Johnson, il va avoir du mal à se débarrasser du ballon de Chavez. Rackhead, Chavez. Même problème que McMahon hier. Isaiah Thomas avec ses dribbles entre les jambes. Butler. Rackhead qui perd le ballon récupéré par Ewing pour Drexler à 4 contre 1. Boum, dit Charles Barkley. Vous ne m'avez pas beaucoup vu en première mi-temps, mais je suis encore là. Et Magic l'a offert un caviar sur un plateau d'argent. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, dit Chuck Daly, l'entraîneur des États-Unis. Contre de Ewing et une nouvelle contre-attaque avec Scottie Pippen cette fois face à Stuart Gray. Formidable. Ah, ils sont solides les paniers de Memorial Coliseum. Il y a tout eu là. La contre-attaque, la passe de Magic, le smash de Barkley. Oh, et Gray qui perd le ballon un petit peu bêtement. De nouveau Charles Barkley, cette fois il en fait profiter Drexler. Mais l'arbitre avait sifflé la faute initiale de Stuart Gray. Oui, une faute intentionnelle. Très frustré Stuart Gray sur cette action. Oh, peut-être une nouvelle faute technique dans l'air. Et bonjour. Et les États-Unis qui viennent de marquer 11 points en un peu plus de 3 minutes. Alors justement, le speaker de la salle parlait des règlements internationaux. La différence avec la NBA et aussi le basket universitaire. Bon, vous savez qu'on joue 2 fois 20 minutes en universitaire et en basket international. 4 fois 12 dans la NBA. 30 secondes pour le match d'aujourd'hui, 24 secondes dans la NBA et 45 secondes pour tirer dans le basket universitaire. On vous a parlé tout à l'heure des dimensions différentes du terrain. Le terrain est un peu plus long, un peu plus large dans la NBA et dans le basket universitaire que dans le basket international. Et voilà, peut-être le plus important, le plus intéressant, voilà, Magic is back, comme notre sujet à la mi-temps. C'est Chuck Daly qui nous a raconté hier, pendant la mini-conférence de presse après le match, qu'il y a un règlement dans le basket international qu'il aimerait bien voir utilisé dans la NBA, c'est-à-dire la raquette en forme de trapèze. Vous savez que dans le basket pro, la NBA, c'est un rectangle plus large que le rectangle utilisé dans le basket universitaire. Mais Chuck Daly pense qu'avec la raquette internationale, cela peut ouvrir davantage le jeu. On pourrait voir beaucoup plus de pénétration, de smash, et on verrait un peu moins d'embouteillage dans la raquette. Bonne idée, Chuck Daly. Magic
Chuck Daly qui utilise à la mi-temps, on va vous en parler tout à l'heure avec Georges, qui utilise un ordinateur pour bien montrer à ses joueurs les fautes à faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. On va vous en parler, tout ça, il le voit à la mi-temps, la cassette circule, montage, marche dans les vestiaires. Montage de la première mi-temps qui est montré entre les deux mi-temps. Et d'ailleurs, on va faire un sujet pour Barcelone avec les spécialistes de ces ordinateurs et ce travail vidéo. Parce que c'est un mélange des deux. Pépine. Qui profite d'un bloc de Pat Ewing. Oh, quelle passe encore de Magic. Eddie Chavez pour Stuart Gray. Ah, c'est à toi quand même, à mi-distance pour un joueur de 2m13. C'est un peu comme Mike Schmreck hier, c'est qui, c'est David Robinson qui a dit hier il a joué le match, le meilleur match de sa vie. C'est la première fois que je le vois comme ça, dit Robinson. Ewing est à droite à mi-distance pour un grand lui aussi. Alors Chavez face à Magic Johnson. Stuart Gray, vous voyez, qui joue en position de meneur malgré ses 2m13. Butler face à Charles Barkley, pas facile. Récupération Barkley. Et attention à la vitesse d'exécution des Américains. Magic Johnson qui attend le retour de Mario Butler pour tirer à 3 points sans opposition. Et c'était pas une reprise de dribble, ça? Oh, quelle passe! Quelle passe! Et ça commence à faire lourd cette addition. Ça fait 47 points d'écart. Donc hier, il y en avait 44 à la fin du match face au Canada. Là, 47 et il reste 15 minutes. Surtout psychologiquement, quand on tient tête à cette équipe des États-Unis, on s'accroche, on joue, on reste concentré. Mais quand on commence à prendre 40, 50, 60 points, on a tendance à laisser filer. Trois changements dans l'équipe du Panama. Justement, il faut penser aux prochaines échéances pour ne pas fatiguer inutilement. Justement, c'est mercredi soir, le match entre le Panama et le Canada, c'est décisif pour une place en quart de finale. Oui, tout à fait. Il y a même eu un quatrième changement puisque Stuart Gray vient même de sortir remplacé par Meyers. Alors, Charles Barkley qui donne pour Scottie Pippen, Magic Johnson, Ewing. De nouveaux points pour Pat Ewing. C'est donc Grenald qui va mener le jeu puisque Eddie Chavez est sorti. Ah, joli, très jolie main gauche. Mario Galvez. Oh, quel travail encore de Magic Johnson. Et il est au rebond, il est partout. Magic qui sourit, dit bon, il y avait quand même une grosse faute, mais bon, c'est pas grave. Grenald pour Mario Galvez. Meyers. Hockey. Force son tir, ça marche. Et le public applaudit gentiment parce que ça fait déjà deux tirs très appréciés de suite. Magic Johnson pour Charles Barkley. Oh, il prend énormément de place, Charles Barkley. Quand il écoute, il écarte complètement ses bras. Il prend toute la raquette. Et Roxhead va sortir. Roxhead qui, avant cette journée, a été quand même le 8e meilleur marqueur, 17,5 points par match, après deux matchs. Oui, 23 points contre l'Argentine, 12 points contre Cuba. Il n'y avait que Mario Butler qui avait marqué plus de points que Roxhead dans l'équipe de Panama. Et en plus, Roxhead avait pris pas mal de rebonds, 6 rebonds contre l'Argentine, 7 contre Cuba. Ça recommence, Larry, tout le monde veut voir Larry Bird sur le terrain. Il s'est échauffé longuement, on pensait quand même qu'il allait jouer.
Et depuis cette fichue avion, il a un peu mal au dos. Ça ne lui fait ni chaud ni froid d'ailleurs ces appels du public, Larry Bird, parce qu'il est, comme il le dit, alors que Ronald montre qu'il est aussi adroit que Chavez à 3 points. Il disait que j'ai l'habitude qu'on m'appelle dans ce stade-là, mais pas pour dire des choses aussi gentilles. Le banc américain avec Chuck Daly, avec Lenny Wilkins. Et les deux entraîneurs que vous avez vu à gauche de l'écran sont les deux qui travaillent le vidéo, la préparation, le montage vidéo, avant et après chaque match. Galvez. Le rebond pour Barclay. Oh, trop fort la passe. Et il faut aller chercher son gant de baseball, Scottie Pippen, pour attraper des balles lancées au laser comme ça. Karl Malone, qui est le meilleur copain de Barclay depuis 2 ans, ils s'entendent très très bien. Et ce n'est pas un cliché, ils passent vraiment leurs vacances ensemble. Leroy Jackson. Et Scottie Pippen emporté dans son élan, qui fait faute. Ronald. Leroy Jackson face à Drexler et encore un ballon perdu par le Panama. Ça fait beaucoup. Drexler. Oh là là, il va vite, il va haut. Clyde Drexler. Tout là, je craignais qu'il allait au smash. Ça aurait été le smash de l'année. Leroy Jackson pour deuxième ballon perdu consécutivement. Oula, pas content Barclay. Johnson, Pippen, Magic Johnson, Drexler. Parce qu'on ne l'a pas vu, mais Barclay a été envoyé carrément dans les premiers rangs. Après ça passe. Il va falloir encore sortir la calculette ce soir, Eric. 48 points d'écart. Bien vu. Et 11 minutes 49 secondes à jouer. Ça, c'est plus facile. Alors, est-ce que l'écart qu'il y avait contre Cuba va être battu? 79 points, plus grand écart pour une sélection olympique américaine. Il faut savoir que c'est la première fois que l'équipe des États-Unis doit participer aux pré-olympiques pour se qualifier. Parce que par le passé, tous les médaillés des Jeux olympiques précédents étaient qualifiés d'office. Et donc, comme ils étaient toujours très bien placés, ou médaille d'or la plupart du temps, les Américains étaient qualifiés d'office. Alors, n'est-ce pas le moment de montrer quelques super smash avec une musique de Phil Collins, Eric? Ah, oui. Voilà les plus beaux smash du match numéro 2. On commence à faire The Wave, Lola, dans Memorial Coliseum. Qui a souvent du mal à démarrer d'ailleurs. On l'a vu l'autre soir avec le match du Brésil, mais voilà, ça part toujours. Voilà, c'est parti là. Voyez, regardez au fond de votre écran. Réalisateur change de plan. Et nouvelle faute sur Robinson. Faute de Myers, c'est sa deuxième.
Le voilà, Guillermo Meyers. Il y en a des belles actions dans ces rencontres, même s'il n'y a pas beaucoup de suspense. Et n'oubliez pas de dire à vos amis, surtout s'ils n'ont pas l'occasion de magnétoscoper, d'enregistrer les matchs, de regarder les résumés chaque après-midi préparés par Grégoire Margoton et Vincent Roduro, qui travaillent beaucoup sur ces résumés et aussi sur les sujets avec Thierry Brugalière. 50 points d'écart, 91-41. Grenald toujours. Ah, les Panaméens ont beau multiplier les blocs, ça ne suffit pas. Le rebond une nouvelle fois pour Karl Malone. Chris Mullins, Jordan. Mullins et Leitner qui vient de faire son entrée en jeu. Vous l'avez vu tout à l'heure en gros plan. Il aime bien jouer extérieur, Christian Leitner. En tête de raquette, c'est vraiment sa place préférée. Je ne sais pas s'il va jouer cette place avec Minnesota, par contre. Galvez face à Leitner. Myers. Ah, ils ont du mal à prendre des positions de shoot à 3 points. Ils essayent. Ouais, ils essaient de limiter les dégâts. Oh oui, très beau panier. Et c'est sympa, le public applaudit. Ils ont raison. Nouvelle faute et toujours sur David Robinson. Ouais, il a pris un coup au genou dans cette action, Robinson. Complètement tordu. Une position impossible. Le résultat hier. Ah non, c'est valable. 2 points. Et Robinson, qui avait l'occasion lui aussi de mettre 2 points. Premier n'y est pas. Il a marqué 4 points, Robinson, aujourd'hui. Il a pris 4 rebonds. Et le deuxième non plus. Et le meilleur rebondeur, c'est encore Charles Barkley aujourd'hui pour les États-Unis. 7 prises. Pas qu'il a été une fois meilleur rebondeur de la Ligue. Il ne fait qu'un mètre 95, Barkley, hein, pour le faire. Fraser. Faute de Robinson. Deuxième faute pour Robinson. On ne peut même pas dire pour les États-Unis que ce soit important d'avoir pour tel ou tel joueur 3 ou 4 fautes, parce que s'il sort, ça ne changera absolument rien à la physionomie du match, quelle que soit la valeur du joueur. Attention, Robinson, boum! Ah, Michael Jordan joue un rôle tout à fait différent, un rôle d'animateur dans cette équipe aujourd'hui. Regardez. Et Jordan qui est stimulé par le fait aussi de jouer meneur de jeu, car avec Stockton sur le banc, il faut que Pippen et Jordan jouent meneur de jeu, quand Magic sort. Et le rebond pour Robinson. Jordan, Karl Malone est parti. Jordan l'avait vu. Il a du mal quand même, Karl Malone, à attraper les passes quand c'est pas Stockton qui les donne. Stockton qui va faire beaucoup de natation pour garer. Et nouveau changement dans l'équipe du Panama, sorti de Leroy Jackson. Toujours Grenald. Beaucoup plus efficace les contre-attaques des États-Unis. 19 points, 7 tirs réussis sur 8 par Chris Mullins. Souvent en embuscade devant les autres en contre-attaque. Meilleur marqueur du match pour l'instant. Grenald pour Ruxed. Myers. Prise à deux tout de suite sur Fraser qui ressort pour Ruxed à 3 points. Leitner qui a failli ne pas voir arriver ce ballon de Jordan, mais qui a vu Mullins. Bonjour la surprise pour Leitner. Et Malone en deux temps. Neuf points pour Karl Malone, seulement 3 tirs réussis sur 7.
C'est étonnant quand même pour Leitner de se retrouver au milieu de toutes ces stars, lui qui n'a jamais joué en NBA et puis qui d'un coup comme ça se retrouve au milieu des meilleurs joueurs du monde. Oui, mais il a été quand même élu meilleur universitaire cette année. Il a été champion deux années de suite avec Duke. Wow! Voilà le temps de panier qu'on a refusé en NBA avec la règle de la continuation. Mais en basket international, c'est normal. La faute arrive avant le tir. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, on change ce règlement dans le basket international parce que ça ajoute quand même un maximum de spectacle. Surtout quand c'est Jordan qui fait le shoot. Pas vraiment habitué à ce qu'on lui refuse ce genre de panier, Michael Jordan. 100% de réussite pour Jordan aujourd'hui. Leitner, toujours au niveau de la ligne à 3 points. C'est Karl Malone qui joue pivot. Et Larry Bird, vous entendez sans doute les cris dans le public, puisque encore une fois, le public voit la même image que vous sur l'écran géant au-dessus du plancher. Et je vous rappelle que la plupart des spectateurs ont le droit à acheter une seule place pour voir l'équipe américaine jouer. Et donc c'est pour cela que tous ces spectateurs auraient bien aimé voir une revue d'effectifs. Mais Larry Bird veut conserver ses chances de participer à Barcelone. Alors on peut peut-être en profiter, Georges, pour dire justement comment ça se passe concrètement avec cet ordinateur. Comment est-ce que les Américains travaillent? En fait, il y a une cassette qui enregistre donc tout le match. Et à la mi-temps, on se dépêche rapidement de retirer cette cassette pour la montrer aux joueurs. En fait, le montage est fait pendant la première mi-temps, car on note les actions intéressantes. Et on fait le montage pendant que le match se déroule. Et après, il y a un spécialiste qui amène la cassette toute chaude dans le vestiaire de Chuck Daly. Et en 3 minutes, il montre les phases de jeu les plus importants tactiquement. Chuck Daly qui utilisait d'ailleurs déjà cette méthode avec les Pistons. Oui, mais je pense que le précurseur dans le travail vidéo, c'était plutôt Pat Riley des Lakers de Los Angeles, qui a fait installer tout un pan de montage vidéo dans le sous-sol du Forum de Los Angeles. Et c'est lui qui avait commencé cette idée-là, c'est-à-dire faire des montages pendant la première mi-temps pour justement donner une idée visuelle à ses joueurs à la mi-temps pour mieux jouer en deuxième. Voilà, Ahmad Rashad, Bill Cosby et finish Rashad. Bill Cosby qui est diplômé docteur et qui vient de Philadelphia. Et Ahmad Rashad, il ne faut pas oublier, était un très grand receveur de football américain. Il a joué 7 ans pour les Vikings de Minnesota avant de devenir une grande vedette de la télévision sur la chaîne NBC. Malone, la récupération Leitner, Jordan, Leitner qui renverse complètement pour Chris Mullin. Jordan et Robinson en tête de raquette. ...99-43. Encore un petit point avant les 100 pour les États-Unis. Myers face à Robinson. Faute pour Karl Malone. Deuxième faute pour Malone. Chavez a l'air très fatigué. On le voit le numéro 5 à gauche. Sont tous fatigués. D'ailleurs, je pense que le Cuba a été complètement anéanti par leur match face aux Américains, parce que depuis, ils n'ont vraiment rien fait. Ils ont quand même battu le Canada le premier jour. Ouais, ouais. Galvez. Butler. 4 points marqués par Mario Butler, seulement 2 tirs réussis sur 9. Oh, Leitner contré. Oh là 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 là, ça fait mal. Karl Malone. Et rebond pour Butler. Mais qui perd ce ballon. Et Robinson est juste derrière. Sympa, Jordan qui donne une claque dans la main de Leitner en lui disant c'est pas grave. Mais je pense quand même qu'il va se faire chambrer demain, Christian Leitner. Surtout par Barkley, pareil. Barkley, il laisse plus rien passer à personne. Stuart Gray qui perd ce ballon, récupéré par Malone, rapidement pour Robinson.
Il joue comme un ailier, Robinson. Voilà, en plus, je crois qu'il y a un petit coup au passage. Et Mario Galvez semble s'être fait mal. Et en fait, c'est Michael Jordan qui attention, pique ce question, ballon. Attention, Christian, j'arrive. Faut pas rester au milieu du terrain quand c'est moi qui mène le jeu. Et puis, oula, 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 oula. Le public fait oh en voyant cette image. On ralentit sur le grand écran parce que le coup de Robinson à un centimètre du nez du Panaméen, Monsieur Galvez, Mario de prénom. Qui va sortir et céder sa place à Leroy Jackson. Très applaudi Mario Galvez. Le public a vu que ce n'était pas du cinéma. Ouais. C'est intéressant parce que Galvez, Frazier, Roxanne et Gerald Reynald ont tous joué dans la même université aux États-Unis, un collège qui s'appelle Brian Cliff College, la filière panaménienne. Roxanne face à Christian Leitner pour Stuart Gray. C'était pour Jackson et une nouvelle fois, Jordan était sur la trajectoire. Oh, Wicker passe en arrière. Il fait du Magic Johnson, Michael Jordan aujourd'hui. Chavez, une nouvelle fois contré, ballon perdu par le Panaméen. Oh, mais David Robinson n'est pas un meneur de jeu, lui, du tout. Elle y est peut-être, meneur de jeu. Oh, c'est géant. Il faut s'appeler Jordan ou Magic pour faire ça. Bon, d'accord, il n'y a pas de suspense, mais on se régale avec tous ces gestes plus spectaculaires les uns que les autres. Ah oui, vraiment. Moline rapidement à la façon encore une fois d'un quarterback et Jordan pour Leitner. En plus c'est le basket plaisir qu'on déguste, plaisir pour les adversaires des Américains parce qu'ils sont contents de jouer contre la plus belle équipe jamais organisée et plaisir pour le public et pour nous. Oh là 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 là, il a raison de se protéger Christian Leitner. Sorti pour l'instant d'Eli Chavez. Très applaudi. Et Michael, très applaudi. Aussi. Passé par Magic. Il était beaucoup moins applaudi il y a 15 jours lors de la finale entre Chicago et Portland, Michael Jordan. Robinson sort lui aussi. Et Jordan disait oui, ça m'a fait plaisir que le public de Portland m'applaudit l'autre jour. Parce qu'en fait, je considère que je représente tous les États-Unis, sauf les Pistons de Détroit. Jordan qui veut toujours lancer une petite pique. Ah, il y a cette rivalité vers ses ennemis de Détroit. Les Bulls et les Pistons, c'est héréditaire. Grenald. Pour Leroy Jackson, qui ressort pour Grenald. Encore une fois, les Panaméens ont failli perdre ce ballon. 61 points d'écart. Jackson, Ruxed. Ah, dommage, c'était bien fait ce travail en pénétration. Là, c'est Moline qui lui a chippé ce ballon, récupéré par Magic Johnson. Chris Moline, Chris Leitner. Ce n'est pas son soir, Leitner. Ah, il a marqué un point. On lance ses fonds. Justement, je me demandais, est-ce qu'il avait marqué dans les autres matchs Le premier match. Un point face au Canada pour Leitner. Contre Cuba, il a marqué un petit peu plus. 9 points, si j'ai bonne mémoire. Bravo, Eric. Leroy Jackson. Stuart Gray. Et 2 points supplémentaires pour le Panama qui n'est qu'à 47. 106 pour les États-Unis. Stuart Gray, qui est quand même un ancien professionnel dans la NBA, n'a marqué que 6 points aujourd'hui, 3 tirs sur 8. C'est assez décevant pour Butler et Gray, les statistiques. Magic. Leitner, qui a envie de marquer. Il a envie de faire marquer Leitner aussi, Magic. Et Leitner qui est hué, qui est sifflé, alors Magic à 3 points. Récupération. Moline pour Malone.
Le public qui est en train de prendre Christian Leitner en grippe, déjà qu'une partie des Américains reproche. Oui, mais déjà, il a été sifflé à Portland quand il y avait le draft ici. Oui, c'est quand ça. Il a été choisi au troisième par Minnesota. Tout le monde pensait que Shaquille O'Neal aurait dû avoir la place de Leitner. Et il a repris ce ballon. Magic pour Malone. Ah, oui. En deux temps. Je vous rappelle que Shaquille O'Neal avait refusé une sélection dans une équipe nationale américaine. Leitner, lui, a toujours répondu présent. Donc, c'est pour cela aussi que les décideurs ont voulu sa présence au JO de Barcelone. Roxanne. Stuart Ray qui a appelé le ballon. Grenald face à Magic Johnson. 3 secondes pour shooter, il va falloir y aller, c'est ce que fait Grenald. Il va provoquer la faute. Larry, scande le public. Et Larry Bird qui disait, de toute façon, même pour une médaille olympique, je ne serais pas rentré hier. Ah, c'est fantastique. Tellement j'avais mal. Il a feinté de retirer son maillot en regardant l'entraîneur adjoint PJ Carlissimo de Seton Hall University, ancien finaliste. De toute façon, Larry Bird qui ne préfère ne pas prendre de risques. Il disait qu'il ne serait pas rentré même pour une médaille d'or, seulement si l'équipe américaine était en danger. Là, oui, il serait rentré. Mais Bird disait aussi qu'il avait voulu absolument marquer le premier panier de la Dream Team dans le premier match. Il a réussi, il a marqué 17 points d'ailleurs dans ce premier match. Il a été excellent avec 75% de réussite aussi. Très adroit à 3 points. Et il avait peut-être raison parce qu'il ajoutait au moins, si je ne joue pas après, je pourrais dire que j'ai marqué les 2 premiers points de cette équipe. Et pour l'instant, il ne joue pas, Larry Bird. Alors justement, il y avait une question posée au médecin de l'équipe américaine. Il y avait une petite conférence de presse pour expliquer le problème de Stockton. Et donc, on a demandé si Larry Bird avait très mal. Et puis, il a refusé de répondre. C'est comme maintenant. Le médecin a dit, non, pas de commentaire. Larry Bird suit un traitement toute la saison. Il continue son traitement. Et donc, nous n'avons rien à ajouter. Vous avez vu tout à l'heure un jeu de mots avec le canal de Panama. Justement, Stuart Gray, par exemple, a été né dans la zone de ce canal de Panama avec son père militaire qui était présent. D'ailleurs, Stuart Gray est allé chercher sa qualification au dernier moment pour cette équipe du Panama grâce à sa naissance dans ce pays et selon la loi de ce pays. Christian Leitner. En fait, il a été pris en grippe par le public pour une autre raison. C'est que, il a un tout petit peu une image de grosse tête, entre guillemets, avec le public et les journalistes. Parce que, parfois, il est jeune, hein, c'est normal, il fait des déclarations qui laissent entendre qu'il pense que du bien de lui-même. Et donc, c'est pour cela aussi que le public américain va mettre la pression sur Christian Leitner et il a intérêt à ne pas rater sa première saison en NBA. Parce qu'on l'attend un peu au tournant. Ballon une nouvelle fois perdu. Grenald. 2 minutes 30 à jouer dans ce match. Fraser qui rate un panier facile. Quelle bagarre sous les panneaux. Finalement, c'est Meline qui reprend ce ballon pour Magic Johnson. Oh, quel geste encore de Magic. Pippin. Magic. Leitner qui hésite à shooter à 3 points. Pippin. Il faut être franc, il ne fait pas grand chose, Leitner. Il faut être franc. Meline, Leitner. Alors, j'espère qu'il va marquer. Face à Fraser. 3 secondes dans la raquette. Justement, chaque fois qu'il a le ballon, le public dit « shoot, montrez ce que tu sais faire !»
Et donc, c'est pas facile pour ce jeune homme. Sûrement perturbé. Super image avec les trois coachs qui sont passionnés après cette fin de match. Oh, wow! Oh, c'est formidable! Extraordinaire! Il a smashé sur Malin, il a smashé sur Cornello. Et voilà, ça va rester un gros souvenir dans sa carrière de basketteur. Et vous ne l'avez pas vu, mais les entraîneurs du banc panaméen se sont levés en levant les bras au ciel et en applaudissant Leroy Jackson. Fabuleux ce qu'il vient de faire. Voilà, les nerfs, la meilleure réponse à donner au public. Grenade, la dernière minute quasiment du match, 112-50, 62 points d'écart. Aucun record ne sera battu ce soir, ni le plus grand écart entre deux équipes, ni le nombre de points marqués par une équipe olympique américaine. Ce sera peut-être pour un prochain soir. Grenald. Ballon sauvé, mais récupéré par Pippin. Noix devant pour Et c'est au moins la quatrième passe que Karl Malone n'a pas réussi à attraper. Il a un peu les mains en béton aujourd'hui, comme on dit dans le jargon. Et bababoum, dit notre ami Leroy Jackson. Moi aussi, je peux faire des gestes spectaculaires. Le plus beau smash du match. Grenald. Jackson. Il n'a pas fait un deuxième. Les Panaméens récupèrent le ballon par Roxhead. Wow! Cette fois-ci, c'est au tour de Carlos Roxhead de dire bing, bang, boom. Et voilà, fin du match entre les États-Unis et le Panama. 112-52 pour les États-Unis. Ça fait 60 points d'écart. Quel mathématicien, Eric Bénard, bravo. Alors, d'autres chiffres. Chris Mullin, meilleur marqueur du match, 19 points. Michael Jordan, 100% de réussite, 15 points. Karl Malone, 13. David Robinson, 14. Patrick Ewing, 14 également. Clyde Drexler, 11 points. En face, Ed Chavez avec 4 tirs réussis en première mi-temps à 3 points. Il en a marqué 12. Et Jackson et Grenard de 8 points chacun. En somme, c'était quand même un match assez spectaculaire. Très plaisant. On s'est régalé. Comme devra l'être. Le dire. Comme devra l'être demain celui contre l'Argentine. Alors on vous donne rendez-vous cet après-midi donc pour le résumé si vous avez envie de revoir les meilleurs moments de ce match. Et demain dans la nuit, toujours à 4h en direct sur Canal pour le match États-Unis-Argentine. Le temps de remercier à Paris, côté réalisation, Bénédicte Debussy, Valérie Deschamps était la script ce soir. François Pécheux, merci également à Thierry Burgalière qui nous a préparé tous ces merveilleux sujets que vous voyez depuis la NBA. Et à toutes celles et ceux qui ont travaillé en régie pour ce match, merci à tous. À demain, bonne fin de nuit, au revoir. Au revoir. Gracias.